Baigorri, sacré samedi, champion du Pays Basque de Yoko Garbi en mur à gauche. Dans cette finale senior première série, le binôme en rouge a rapidement creusé l'écart face à l'aviron bayonnais, allant jusqu'à 12 points d'avance. Il l'emporte finalement 40 à 30. On n'est pas rentré entièrement dans la partie, on a été complètement dominé physiquement. Ça nous a fait un petit peu déjouer aussi. On n'a pas réussi clairement à mettre notre jeu en place. On a été dominé du début à la fin. Baigorri ne partait pourtant pas favori. Iban Riusperu se jouait au départ avec son frère Théo. Blessé, il a été remplacé au pied levé par le jeune Vicente Isoko qui a créé la surprise. Vicente a remplacé en poule. Voilà, il est jeune, 19 ans. Ce n'est pas son poste, d'habitude il joue derrière. Et voilà, il a fait une très très belle partie. Et je lui ai dit que, voilà, de rentrer sans pression. Pour être champion en mur à gauche, je lui ai attendu 35 ans. Lui, il y en a qui ont plus de chance. Et voilà, c'est bien. C'est à 19 ans, c'est beau. C'est parce que je jouais avec monsieur aussi. Hein. Voilà. Le Yoko Garbi est une discipline spectaculaire mais ardue qui ne compte actuellement que 200 pratiquants, des effectifs qui n'ont pas évolué depuis 20 ans. En marge de cette finale à Cambo-les-Bains, la quinzaine de clubs qui l'enseignent se sont donc réunis pour tenter de la redynamiser. C'est une tellement belle discipline que nous, on souhaite vraiment la promouvoir et essayer qu'il y ait plus de pratiquants. Elle est très exigeante et c'est pour ça qu'il y a peu de pratiquants. Et donc nous, on est en train de mettre en place au sein du comité tout un programme de développement. Encourager l'apprentissage de la discipline ou modifier le système de jeu pour la rendre plus attractive. Le comité envisage par exemple que les parties qui se jouent actuellement en 40 points puissent comporter plusieurs manches à l'avenir.